Hello everyone, my name is Christina Kran. Today I have the privilege to talk with Mr. Philippe Sassou from the Republic of Benin, in French, Benin. This interview is going to be conducted in French language. It is basically the first interview of the Let's Talk Show webinar series with Christina Kran that is going to be conducted in French language. In the future, there are going to be new interviews in different languages. Therefore, this episode will help people to learn more about the scientific domain of milky products, and basically will promote the approach of One Health, or in French, Une Seule Santé. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Christina, je vais bien. Et chez vous? Je vais bien, merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire un peu plus sur votre parcours professionnel? Merci beaucoup. Mon nom est Philippe Sassou, comme vous le savez si bien. Et je suis, enseignant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, qui est la plus grande université du Bénin, la première d'ailleurs. Et spécifiquement, j'enseigne à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, qui est en fait une école qui fait partie intégrante de cette grande université. Et je suis maître de conférence des universités et chef du département de production santé animale honoraire, puisque j'ai assumé cette fonction pendant environ 2 ans avant de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et en tant qu'enseignant dans cette université, je dispense les cours de microbiologie, en licence comme au niveau master. Et dans le domaine de la recherche, je m'occupe particulièrement de l'étude des communautés microbiennes, des aliments en général et du lait, des produits laitiers en particulier. Aussi, mes travaux de recherche vont également dans le sens des zoonoses majeures telles que la rage, la COVID-19 qui défraie la chronique actuellement, puisqu'avec des partenaires, nous avons également travaillé dans ce sens. Et je crois qu'avec, le développement, je vais donner plus, de détails. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie aussi de vous avoir présenté. Et évidemment, le but de ce projet est de promouvoir la carrière des personnes. Donc, vous êtes un enseignant-chercheur, vous avez dit, à l'université, oui. Et maître de conférence à l'université de Abomey-Calavi au Bénin. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour conduire cet entretien avec vous. Alors, c'est ce que j'aimerais vous poser en tant que question. C'est, alors, moi, je suis spécialisée dans le domaine des sciences humaines. Donc, j'ai commencé à étudier l'approche de une seule santé, ou en anglais, en fait, One Health. Il y a quelques semaines, donc je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc j'aimerais, si vous voulez, peut-être nous expliquer un petit peu quelle est l'importance des produits laitiers dans le monde contemporain. Merci beaucoup, Christina. Comme vous le savez si bien, les produits laitiers sont en fait des aliments qui sont quasiment complets, c'est-à-dire qui contiennent pratiquement tous les éléments dont l'homme a besoin pour sa croissance, pour ses besoins physiologiques. Quand vous prenez le lait, par exemple, le lait est riche en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines et en minéraux. Évidemment, les produits dérivés de ce lait contiennent également ces mêmes ingrédients qui participent, au bon fonctionnement de l'organisme. Et notamment, vous le savez, pour donner un simple exemple, quand vous prenez les petits-enfants, jusqu'à un certain âge, on leur dit de consommer du lait. Ce n'est que ça qui leur permet donc de combler leurs, besoins. Et c'est lorsqu'ils évoluent après un certain âge, on commence par associer d'autres types d'aliments. C'est un peu pour dire que le lait est,
un aliment très capital et très complet qui permet quand même de répondre aux besoins de l'organisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons embrassé ce domaine, et notamment au Bénin, nous étudions plus, disons, les fromages traditionnels qui sont vendus chez nous, parce que ce fromage, par exemple, est consommé en remplacement de la viande par les communautés. Et c'est un produit très prisé. Et en dehors de ça également, il y a le lait caillé sur lequel nous travaillons, qui est également un produit très bien apprécié chez nous au Bénin. Et de façon globale, pour dire que le lait et ses produits, les produits laitiers, en fait, sont toute une source importante, disons, de protéines pour les populations. Et cela leur permet donc de répondre aux besoins, et, disons, de l'organisme. Voilà un peu ce que je peux dire. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Vous avez mentionné les fromages. Alors, comme je ne connais pas beaucoup concernant la culture au Bénin, pourriez-vous peut-être nous dire quel type de fromages sont les plus connus en fait chez vous, et est-ce que sont présents à l'étranger également et dans quel pays? Merci beaucoup. En fait, le fromage que nous avons l'habitude de préparer chez nous au Bénin est appelé le Wangashi Gassire. C'est en fait, disons, un fromage, disons, produit par les Peuls, qui est un fromage de type traditionnel, hein, rangé donc dans les fromages à pâte plus ou moins mou, même si, on sait, même si parfois il y en a qui font vraiment l'égouttage pour nous donner quand même une pâte semi-dure. Donc c'est un fromage qui est obtenu par coagulation du lait à partir, disons, donc, d'une plante qu'on appelle le Calotropis procera, habituellement appelé en français, et disons, la pomme de Sodome. Évidemment, cette plante contient, disons, une substance qu'on appelle la calotropaïne qui agit comme la présure, et donc qui est utilisée pour la fabrication du fromage. Et donc, au Bénin, c'est ça qui domine. Mais il n'est pas exclu d'avoir sur le marché également d'autres, disons, fromages importés. Mais chez nous, c'est le fromage traditionnel qui est, pour engager, qui est plus consommé, contrairement aux autres qui sont aussi obtenus dans les... Alors, ce fromage est vendu au Bénin et dans les pays environnants, notamment le Bénin, le Togo. Il y en a qui arrivent aussi à exporter, mais ça n'a pas encore, disons, ce n'est pas encore étendu dans tout le monde entier, parce que nous continuons par y travailler, parce que pour vendre nos produits sur les marchés internationaux, il faut que ces produits respectent les normes, respectent les critères exigés par ces, disons, pays, avant quand même de les accepter. Et donc, nous travaillons dans ce sens pour stabiliser le produit et pouvoir, disons, l'exporter. Donc, c'est dans ce sens que actuellement nous conduisons un projet, disons, qui a bénéficié d'un soutien de, disons, de l'ARES de la Belgique, qui est dénommé le projet Wallach, qui a pour objectif d'améliorer donc les procédés de production et de conservation donc de ce fromage Wangashi Gassire et aussi du lait caillé pour leur meilleure valorisation dans, disons, dans l'espace, disons, béninois et également, disons, à l'étranger. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. C'est assez impressionnant quand même que vous avez quand même réussi à collaborer avec cet institut en Belgique que vous avez mentionné concernant la... Oui. La promotion des produits laitiers. Alors, oui. Aussi, vous avez mentionné que vous étudiez les communautés microbiennes des produits laitiers. Alors, j'aimerais savoir, parce que je ne connais pas beaucoup, c'est vrai, quelle méthode scientifique vous utilisez au laboratoire pour détecter les différents types de microbes dans les produits laitiers, en effet. Merci beaucoup, Lucilla. Pour, disons, dénombrer ou identifier les communautés microbiennes des micro-organismes, généralement, comme on le dit, on utilise les techniques non conventionnelles ou les méthodes non conventionnelles et, disons, la biologie moléculaire pour ces identifications. Et donc, disons, quand on parle des méthodes conventionnelles, cela fait appel à ce que nous appelons les milieux de culture, donc des réactifs au laboratoire, que nous utilisons pour leur identification. On peut, par exemple, disons, isoler de ces aliments que nous étudions, ces micro-organismes, et les dénombrer, ou les identifier maintenant au plan biochimique et au plan phénotypique. Maintenant, pour aller plus loin, on va au niveau, disons, génotypique
où nous faisons donc l'extraction d'ADN de ces micro-organismes afin de les identifier soit par, disons, PCR de sang ou par des techniques modernes, disons, que nous avons aujourd'hui. Et je puis vous dire que récemment, avec la coopération établie et en Inde, j'ai pu effectuer un séjour, disons, qui nous a permis d'utiliser une technique qu'on appelle l'Illumina MiSeq, qui est une méthode très avancée, l'une des meilleures méthodes aujourd'hui développées, et qui permet donc d'extraire l'ADN de tous les micro-organismes, disons, de l'aliment et de les identifier. Et nous avons même publié déjà dans Frontier in Microbiology un article qui porte sur, disons, les levures. Qu'on rencontre, que ce soit les levures pathogènes ou les levures d'altération ou les levures utiles, nous les avons tous identifiées du fromage et du lait caillé. Mais cette fois, comme je le disais, cette coopération nous a permis quand même de faire ce travail. Et c'est l'Inde qui nous a permis d'identifier cette communauté microbienne, notamment les levures. Évidemment, nous avons aussi identifié toutes les bactéries qui sont dans les produits laitiers que nous avons ciblés. Et une publication en cours de rédaction pour montrer à la communauté ce que nous faisons dans ce sens. Sans oublier que dans le cadre du projet que nous avons obtenu avec la Belgique aussi, nous entrons tous dans ce domaine, quitte à identifier, comme le disons, les souches utiles qui vont nous permettre, disons, d'améliorer le produit. Vous savez, par exemple, quand on veut produire du yaourt, on utilise certaines bactéries hein, qu'on appelle Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Donc, ces souches utiles, par exemple, permettent de fermenter le lait pour obtenir du yaourt. Donc, nous aussi, nous sommes dans cette démarche pour améliorer le lait caillé que nous avons, pour que ce soit un lait caillé made in Benin avec les souches directement puisées de ces, disons, aliments. Donc, voilà, de façon globale, pour répondre à votre question, nous utilisons et les méthodes non conventionnelles et les méthodes modernes, que dans la PCR, le séquençage, pour pouvoir identifier les micro-organismes que nous rencontrons dans ces produits. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Exactement, vous avez raison. Et c'est vrai que je n'avais pas entendu auparavant concernant ce type de méthode. Alors, aussi, vous avez mentionné quelques types de bactéries que vous détectez généralement dans les produits laitiers. Alors, par exemple, j'aimerais savoir si est-ce qu'il existe d'autres types de bactéries dans les produits laitiers et lesquelles? Par exemple, nous. Généralement, quand dans les médias, on entend la salmonella, par exemple. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire concernant ces bactéries, quel genre de bactéries, d'autres types de bactéries on peut détecter dans les produits laitiers? D'accord. Vous savez, comme dans tout type d'aliments, il y a trois catégories de micro-organismes qu'on a fondamentalement. Hein. Il y a les bactéries pathogènes, les bactéries d'altération et les bactéries utiles. Donc, j'ai parlé des bactéries utiles qu'on utilise, par exemple, pour la production du yaourt. Maintenant, comme bactéries pathogènes que nous avons rencontrées dans ces produits, il y a évidemment des sources de salmonelle, même s'il y a il y a très peu d'échantillons qui sont contaminés. Nous avons également des sources de Escherichia coli, puisque vous savez, ce lait provient donc des animaux. Et très souvent, la méthode de traite du lait ne permet pas de garantir, disons, la salubrité du produit. Il y a quelquefois quelques matières fécales qui s'y trouvent. Et donc, nous avons les souches pathogènes telles que Escherichia coli. Évidemment, comme c'est les mains qui font également la traite, nous avons des souches de Staphylococcus aureus qui créent des intoxications également chez les consommateurs. Du coup, nous en avons trouvé, même si ces flores demeurent très faibles dans le produit actuellement. Nous ne continuons pas à mener les investigations, notamment sur les souches de bacillus qu'on peut avoir dans les souches de campylobactères, ainsi que les souches de listeria. Bon, listeria, par exemple, qui a l'origine des avortements chez la femme enceinte. Et donc, des études sont menées actuellement sur le sujet. Et disons, ça nous permettra d'avoir une idée plus globale. Voilà, le processus de pasteurisation des produits laitiers. En effet, c'est ce qui permet généralement que les produits laitiers soient, enfin que les mauvaises bactéries ou les mauvaises microbes sont en effet détruits pendant le processus de pasteurisation. Oui.
C'est ce qu'on a appris à l'école Oui. quand nous étions enfants. Alors, j'aimerais peut-être savoir quelle est votre opinion concernant l'approche ou la notion ou le concept d'une seule santé ou One Health et les maladies zoonotiques. Vous avez mentionné au tout début aussi les zoonoses. Donc, les Oui. maladies zoonotiques, par exemple la COVID-19, est une maladie zoonotique ou un virus zoonotique. N'importe comment on le qualifie, on sait que l'origine de la COVID-19 est zoonotique. Donc, quelle est votre opinion concernant cela? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que ce concept de One Health, j'ai entendu parler de ce concept pour la première fois en 2013. Et avec le concours, avec disons l'appui financier disons de l'Union européenne, nous avons effectué disons une formation dans le domaine de One Health au Maroc pendant 2 mois. Et durant cette formation, nous avions aussi abordé dans le domaine disons les zoonoses telles que la rage, la tuberculose, la brucellose, l'échinococcose, j'en passe. Donc, pour vous dire que d'abord le concept de One Health, c'est en fait la connexion entre, disons, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Tout à fait, tout Ça à veut fait. dire, voilà. Et donc, qui parle de maladie zoonotique veut dire que c'est une maladie qui peut passer, disons, d'une espèce à une autre. C'est, par exemple, une maladie qui peut passer de l'homme à l'animal, et de l'animal à l'homme, tel que la rage, par exemple. Et du coup, qui parle de One Health aborde de façon globale aussi les maladies zoonotiques, puisque tout ceci est inclus. Et en plus de ces maladies zoonotiques, cela fait référence également aux questions de l'environnement, aux micro-organismes qu'on peut rencontrer dans l'environnement qui peuvent également, disons, infecter par exemple les aliments et contribuer, tu vois, à la contamination de l'homme. Donc, c'est de façon globale ce que je peux dire sur le concept. Tout à fait. Donc, Et puis, je pense qu'en effet, la notion de One Health, largement parlant, est une notion extrêmement importante car cette notion comprend en effet trois types de facteurs importants qui sont en effet la santé humaine, comme vous avez mentionné, la santé de l'environnement et la santé de l'être humain. Donc, juridiquement, vous savez que la santé des animaux et la santé humaine, ce sont deux différentes branches. Les animaux, dans le monde du droit, sont perçus comme des êtres doués de sensibilité, mais qui n'ont pas la personnalité juridique comme les personnes humaines. Ils sont donc des êtres de second degré, qualifiés juridiquement ou parlant juridiquement. Donc, je pense que c'est une approche ou une doctrine assez problématique quand même, car il existe beaucoup d'organisations internationales qui sont en train de promouvoir les droits des animaux, comme par exemple l'organisation PETA, qui est en train de promouvoir certains projets concernant la protection des animaux dans tous les pays du monde. Mais quelle est l'efficacité? Quel est le degré de l'implémentation de tous les projets éducatifs? On ne sait pas vraiment, même s'il y a des rapports officiels ou des statistiques qui sont jusqu'à un certain degré véritables, quand même, on ne peut pas savoir vraiment dans quel pays combien pourcents ou les animaux sont vraiment protégés. Donc, quand même, il y a, je trouve, une similitude des problématiques concernant la santé des animaux et la santé dans l'environnement. La planète est extrêmement polluée, on le sait bien, et il y a des projets, mais vraiment pour effectuer le degré de l'efficacité de tous ces projets, on doit notre travail en tant qu'étudiants ou chercheurs ou juristes ou docteurs, c'est de promouvoir l'approche de One Health parce que c'est l'avenir du monde, en effet. Naturellement. Et oui, oui, vous le dites si bien, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on ne peut plus travailler, disons, en rang dispersé. Nous devons nous unir. Et les médecins, et les vétérinaires, et ceux qui travaillent, disons, dans le domaine de l'environnement, tous doivent se réunir et travailler ensemble pour pouvoir lutter contre les zoonoses qui est vraiment humaine, telle que la COVID-19, par exemple.
Parce que si chacun reste dans son coin, ça ne peut pas nous faire avancer. Et du coup, nous devons ensemble travailler pour Absolument. vraiment combattre La COVID-19 n'est pas la dernière maladie zoonotique qui va émerger. Naturellement, il y a d'autres. Je pense que pendant cette année, on a appris une grande leçon. Pense que l'humanité a appris une grande leçon que catégoriser juridiquement ou politiquement les notions, c'est problématique quand même, parce qu'on ne peut pas tout catégoriser. Parfois, on est obligé de prendre les choses d'une manière comparative, de les comprendre d'une manière comparative pour créer une approche unique qui est aujourd'hui celle d'une seule santé, ou One Health. One Health, voilà. Je vous remercie beaucoup avoir répondu à toutes ces questions. J'aimerais savoir si vous avez des questions ou si vous avez un message que vous voulez transmettre aux générations futures concernant l'approche de One Health ou les produits laitiers, par exemple. Merci beaucoup, Isisa. Je voudrais aussi vous remercier d'abord de m'avoir donné ce privilège, disons, d'échanger, de débattre de ce que je fais. J'avoue que j'ai été séduit, disons, par disons, le geste. Et il faut savoir aussi que dans le domaine du One Health, nous essayons ensemble avec d'autres partenaires tels que, disons, la fondation One Health, l'ensemble du docteur Deborah, de l'Amérique, des USA, avec qui nous travaillons pour quand même implémenter, disons, ces leçons ici chez nous au Bénin, qui ciblent notamment les enfants de tout âge, hein, pour enseigner, parce que les enfants sont la base, en fait, disons, du développement. Si nous devons combattre les grandes zoonoses demain, il faut que les enfants soient informés dès le bas âge. Et le travail que fait le docteur Deborah est un travail très, très intéressant, parce que, j'avoue, elle a bien ciblé, disons, le groupe qu'il faut, parce qu'en le faisant ainsi, ça nous permettra réellement, disons, d'informer, disons, ces enfants qui vont vraiment nous aider à combattre les grandes zoonoses demain. Absolument. Il faut aussi dire que avec elle, nous avons, allez-y. Voilà, nous avons entrepris aussi d'autres études. Hein. Ce n'est pas seulement les enfants aussi, parce que les adultes, quand vous prenez par exemple les étudiants qui sont notamment dans les autres domaines, hein, en dehors de la santé humaine, de la santé animale, eux aussi n'ont pas en tant que tel d'informations sur les zoonoses. Je peux donner un exemple par exemple que nous avons récemment évalué, disons, les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants de notre université sur la raie, par exemple. Savoir s'ils maîtrisent ce que faire en cas de morsure du chien ou autre, par exemple. Nous étions étonnés que la plupart de ces étudiants ne maîtrisaient pas ce qu'il faut réellement faire. Et ils ne savaient pas qu'on pouvait même contracter la rage hein, à partir de morsures de chiens et autres. Du coup, c'est un grand défi pour nous parce que nous sommes en train de parler de la COVID, mais il y a d'autres maladies qui déciment en silence les populations, telles que la rage, par exemple. Au Bénin, nous avons conduit une étude qui nous a permis de constater que dans c'est-à-dire au sud du Bénin, notamment dans 3 communes seulement, en 5 ans, il y avait plus de 280 personnes qui étaient décédées de la rage. Ça veut dire que les gens n'ont pas l'information. Or, quand nous prenons la COVID aujourd'hui, par exemple au Bénin, jusque-là, il n'y a que 48 personnes qui sont décédées depuis, disons, le début de la pandémie. Mais et ça, c'est dans tout le Bénin. Maintenant, et comparer ce résultat par rapport à ce que nous avons obtenu pour la rage, pour seulement 3 communes, vous voyez que les gens ont besoin d'être informés. Hein, sur les questions, disons, zoonotiques, sur les maladies zoonotiques, telles que la COVID, par exemple. Donc, ils ont besoin d'informations sur la tuberculose aussi. Ils ne savent pas que, par exemple, en consommant, disons, donc, du lait cru, qui est contaminé par, disons, les mycobactériums, ils peuvent également, disons, faire donc, de la tuberculose. Donc, c'est des informations qu'on doit leur donner. Oui, c'est des informations indispensables. Même si on fait des recherches, disons, dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la santé animale et autres, l'éducation sanitaire doit être aussi, disons, prioritaire, parce que si on a les informations et que les gens ne les appliquent pas, c'est un problème, c'est un défi. Et comme je l'ai dit aussi récemment avec, les partenaires belges, notamment de l'Université d'Anvers, nous avons conduit une étude sur, disons, la COVID au Bénin pour voir si les gens, disons, adoptaient, évidemment, les bonnes pratiques, disons, les mesures d'hygiène prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID. On a constaté que, bon, évidemment, certains
connaissait l'importance de ces mesures et les appliquait. Mais Donc, par il y contre, avait un certain degré d'amélioration quand même. Voilà. Donc, il faut forcément l'éducation sanitaire pour accompagner toutes ces actions-là. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien, le travail, c'est très beau le travail que fait le docteur Déborah. Et je l'encourage, disons, à évoluer dans ce sens. Et j'espère que nous aurons, en fait, disons, nous allons atteindre toute l'Afrique, pourquoi pas le monde, avec ce projet très enrichissant qui va nous permettre, disons, d'apporter notre contribution à la lutte contre les zoonoses, notamment les zoonoses majeures. Absolument. Merci. Et je pense que l'éducation ou les projets de l'éducation sanitaire, en effet, va combler les lacunes des systèmes Justement. éducatifs dans le monde qui existent dans plusieurs pays, peut-être dans tous les pays du monde, parce que Justement. c'est vrai que quand on est jeune, on apprend seulement tout un petit, on apprend pas beaucoup concernant l'environnement. On apprend un C'est petit ça. peu concernant, on a quelques leçons qui portent sur l'importance de l'écologie, l'environnement, mais c'est tout. Donc c'est assez limité quand même, je trouve que nos systèmes éducatifs sont assez limités. Donc introduire l'éducation sanitaire, je pense que ça va combler toutes ces lacunes qui Justement. existent malheureusement dans les systèmes éducatifs du monde entier. Voilà. Je vous Justement. remercie vraiment pour C'est moi. répondre à toutes ces questions. Merci J'espère beaucoup. qu'on va collaborer dans d'autres projets dans l'avenir et toute une bonne Naturellement. continuation pour vos projets futurs. Vraiment, merci beaucoup, Christina. Et vraiment, bonne suite, disons, de ce parcours, disons, vraiment enrichissant. Merci, à vous aussi. Bonne journée. Merci, pareil à vous.